Présent en finale de Top Chef 2023, Dany s'est prêté au jeu des questions pour Télé Loisirs. Il y évoque le défi qu'il aimerait lancer à Hélène Darroze s'il gagne la finale du concours de M6, ce mercredi 7 juin. Dany, candidat de la saison 14 de Top Chef, est désormais en finale. Face à Hugo, il va devoir convaincre Philippe Etchebest, Paul Perret, Glenneviel et Hélène Darroze, en plus des 100 convives attendus pour cette grande soirée. À la clé, le titre de Top Chef et la possibilité de gagner jusqu'à 100 000 euros. Mais avant de savoir lequel des deux aura le plus séduit l'assistance, Dany a accepté de répondre à quelques questions sur le concours, mais aussi sur ce qu'il réserve comme challenge à sa chef de brigade, Hélène Darroze. Dany, finaliste avec Hugo de Top Chef 2023, veut changer le look d'Hélène Darroze. Depuis qu'il a participé à la brigade cachée, Dany est devenu seul et unique membre de la brigade rouge d'Hélène Darroze. Un lien s'est créé entre la chef et le cuisinier à tel point que ce dernier a déjà quelques idées derrière la tête en cas de succès, ce mercredi 7 juin lors de la finale. Si je gagne Top Chef, peut-être que la chef fera des tresses. Ça lui irait bien. S'amuse-t-il face à la caméra de Télé Loisirs. En effet, depuis le début de saison, les tresses de Dany ont été repérées par les chefs comme par les téléspectateurs. Le parcours et le look atypique du candidat lui ont permis d'être immédiatement identifié. Si est-il cette coupe de cheveux qu'il imagine désormais sur celle qui a veillé sur lui durant la compétition. Hélène Darroze pourrait-elle relever le défi si Dany remporte Top Chef? Une finale de Top Chef sans surprise si le concours aime surprendre, proposer des épreuves toujours plus étonnantes, la finale fait partie des rares épreuves qui restent constantes d'une année à l'autre. Une journée en cuisine, deux brigades composées avec les anciens de la saison, 100 convives et le jury des 4 chefs, voilà de quoi rassurer. Ce n'est pas cette année que la finale connaîtra un bouleversement, la production avait déjà bousculé les habitudes lors de la guerre des restos, elle n'allait pas en plus modifier les repères des téléspectateurs lors du moment le plus important de la saison. Place aux compétiteurs, bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. The